Ewese. Once upon the times. Il était une fois. Deux fois. Non, trois fois. Non, quatre fois. Oh, cinq fois. Six fois. Sept fois. Huit fois. Oh, non, sept fois. Huit fois. Sept fois. Sept fois. Sept fois. Sept fois. Sept fois. Sept fois. Ne les écoutez pas. Il était une fois. Allez, Molly. Mon bar, mon vieux, pingue mes pieds. Une gueule pour que mes têtes. Une gueule fait encore. Une gueule chue. Mon gueule, oui, mon. Bien, très bien. C'est l'histoire d'un chat. Un chat beauté. Yes, puss in boots. El gato con botas. Singing de butam. Puss in top me lang. Une gueule me cou. Une gueule me nuk. Une boussé sou. Il était une fois un marchand de foie qui vendait du foie dans la ville de foie. Ah non, c'est pas cette histoire là. Ma foi. Un meunier venant de mourir. Mais c'est une vieille histoire. Il s'est passé il y a je sais pas trop combien de siècles. Mais c'est parce que tu as dit un meunier venant de mourir. Ah non, non, c'est dans l'histoire qu'il venait de mourir. Oh. Un meunier venant de mourir. Aïe. Laissa en héritage à son fils aîné un moulin. Au second, un âne. Et au plus jeune, un chat. Un minet. Un matou. Un mistigri. Un ramina grobis. Ne vous inquiétez pas, le chat va venir. Il finit toujours par arriver. Mais en attendant son arrivée, nous allons vous présenter l'auteur du chat beauté. Mesdames et messieurs, vous connaissez le chat beauté? Oui. C'est qui alors? Bon, il s'agit de monsieur Charles Perrault. Je suis Charles Perrault, le célèbre auteur du chat beauté. Applaudissements pour Charles Perrault. Mais comment cela? Charles Perrault était noir? Non, c'est pas possible. Mais si, tous les écrivains sont noirs. Alexandre Dumas était noir. Pouchkine était noir. Ronaldo et Ronaldinho sont noirs. Oui, mais ils ne sont pas écrivains. Oh, si, si, si. On trouve la texte partout. Mais attends, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si le chat est noir. Je suis Charles Perrault, le célèbre auteur du chat beauté. Mais c'est pas logique. El Perro en espagnol veut dire le chien et non le chat. Mais dites-donc vous, vous avez vos papiers? Ah mais non, on ne demande pas à l'auteur ses papiers, ça ne se fait pas. Ne vous inquiétez pas, un écrivain a toujours du papier. Ici, j'ai écrit Le Petit Poucet. Là, vous avez Peau d'âne. Oh, le chat. Oh.
Mais qu'est-ce que je vais faire avec un chat, moi? Un chat pour sortir le samedi soir. Ah oui, la peau pour mon tambour. Bien, le fricassé au fromage. C'est belle dent pour de beaux bijoux. Non, moi je garderai bien ce chat là. J'ai des souris. Un chat, oui. Mais un chat qui parle. Ça n'existe pas, ça. Je n'ai jamais vu un chat qui parle, moi. Moi non plus. Je suis un chat, oui ou non? Oui. Je parle, oui ou non? Oui. Parlons sérieusement, toi et moi. Au lieu de faire du moi de fricasser au fromage blanc, tu ferais mieux de me trouver une paire de bottes et un sac. Mais où est-ce que je vais trouver une paire de bottes, moi? Mais où est-ce que je vais trouver un sac? Oh, un sac, c'est facile à trouver. Mais un sac, on n'en a pas. Mais si. Je te dis que non. Oh. Mais si. Je te dis. Oui, un sac, on en a. Mais moi, j'ai pas de tennis, j'ai pas de basket, j'ai pas de silpassou, j'ai pas de salon, j'ai pas de babouches. Tu as fini? Oui. Je veux des bottes. Bonjour, monsieur le cordonnier. Bonjour, que puis-je pour vous? Je veux une paire de bottes. Ah, très bien. Mais c'est pas pour moi, c'est pour mon chat. Ah, une paire de bottes pour un chat? Pourquoi pas une paire de skis pour un canard? Une paire de bottes. Payez-le si mon fond s'ouvre. Ce rossignol chante admirablement. Que j'aimerais déguster sa chair. Que les riches ont de la chance. Ils peuvent manger autant d'alouettes et de rossignols qu'ils le veulent. Alors que nous, on ne doit se contenter que de les écouter. C'est la vie. Mais je ne peux l'entendre sans que me vienne de l'eau à la bouche. Enfin, n'oublions pas que je suis ici en qualité de chasseur. Tu as vu de la paix, ma chérie? Je le suis, mon chéri. Tu entends le rossignol? Je ne suis pas sourde. Mais dans quoi j'ai marché, là? Je le sens, mon amour. Mon cœur bat tellement fort quand je vois que la nature entière est autour de nous et que l'écho répète nos paroles et nous laisse bouche bée. Non, mais tu entends? Tu as entendu? C'est pas l'écho, c'est un troupeau de moutons. Oh, que le ciel soit le plafond de notre chambre à coucher. Tu as rêvé, mon chéri. Ah non, c'est mon âme qui est en harmonie enchanteresse avec l'univers. Excusez-moi, est-ce que vous ne pouvez pas aller un peu plus loin avec votre harmonie enchanteresse? Vous dérangez le gibier. Le ciel m'est témoin que je... Mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Vous ne comprenez pas que vous effrayez le gibier avec vos déclarations? Espèce de malappris. Tu ne vois pas que je suis en train de faire un serment d'amour et tu oses m'interrompre? Tu ne peux pas attendre une minute, mon amour. Deux, ma chérie. Tu ne vois pas que mon amant est si amoureux de moi qu'il a mis un genou par terre? Les deux, mon bébé. Oh. Mais justement, ce petit bout de terre. Tu as raison.
Ce petit bout de terre n'est pas digne d'accueillir notre amour. Allons. Allons là-haut sur les montagnes. Chercher l'immensité plus compatible avec l'immensité de nos sentiments. Tu peux savoir comme je t'aime. C'est ça. Mais faites attention sur la colline, hein. Il se peut que l'ours soit de mauvaise humeur aujourd'hui. Fous-moi le camp, merdeuse. Sac petit menteur, tu m'as trompé. Change de refrain, tu me casses les oreilles. Ah, tes belles promesses, qu'est-ce qui en reste, hein? Et ta fidélité alors, laisse-moi rire. Aïe, mais qui a commencé, hein? Oh. Arrêtez, arrêtez. Vous ne voyez pas que ce petit bout de terre est un tout petit peu petit pour une dispute d'une telle envergure? Impertinent. Voilà, Nassola. Attends-toi. Je te le dirai si tu es bien gentil avec moi. Mais je suis gentil avec toi, non? Plus gentil encore. Oh, plus gentil encore. Oh. Donne-moi ton... Non, 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 oh, ton bonbon. Oh, yeah. Alors? Alors, quoi? Le chat, il a fait quoi? C'est vrai. Je n'ai pas pu m'empêcher. Un rossignol, c'est appétissant. Maintenant, il ronronne, moi. Et moi? Ouais, je suis pleine. Il va falloir que je m'habitue au maître de qualité. Car si mon maître devient prince, c'en sera fini avec ce régime pourri de souris et de ragaleux. Fini aussi ces mauvaises haleines de chiens aboyeurs à mes trousses. J'espère que mon maître promulguera une loi. Tous les chiens qui n'auront pas de propriétaires seront récupérés. Et tous les propriétaires qui n'auront pas de chiens seront récompensés. Voilà, j'ai décidé. Disons que c'est mon maître qui a décidé et que je suis d'accord. Ma fille, un prince beau comme Michael Jackson, riche comme Yannick Noah et jeune comme Roger Milla demande ta main et probablement le reste. Je l'ai vu. Et alors? Il ne me plaît pas. Il empêche les sens. Oh, 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 c'est un grand propriétaire de puits de pétrole. Alors, si sans les sens, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il s'occupe très bien de ses affaires. Ah, et tu ne fumes pas, il n'y a donc pas de risque. Non, 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 non. Il ne me plaît pas. Qu'est-ce que je peux y faire, moi? Je ne veux pas me forcer, voilà. Ma fille, je te rappelle que tu as déjà refusé 27 princes, seigneurs et ministres. Je te rappelle également que j'arrive difficilement à l'âge de 112 ans et que mes cheveux blancs commencent à jaunir.
Eh, ma fille, je ne puis t'assurer un futur brillant sans un brillant futur. Mes forces commencent à me manquer. Surtout sans mon main préférée. Et à propos, que vienne immédiatement mon cuisinier. Sa Majesté, vous avez le plus fidèle de vos serviteurs devant vous. Mon ami, il ne faut pas sous-estimer les efforts d'un roi à rester de bonne humeur. Surtout un roi qui a la charge écrasante d'administrer une population entière. Et quelques écuries de qualité. Parce que s'il n'est pas bien disposé, il se pourrait qu'il se transforme en un despote tyrannique. Et qui est responsable de la bonne disposition du roi, si ce n'est le cuisinier royal. Merci, sire. Merci. Merci, sire. À mon âge, je dois manger chaque jour du lapin avec un bâton de pistache et des petits raisins. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Dumbongo chobi ombo. Quoi? Côte de bœuf à l'étouffer, omtumba et... Quoi? Encore du bœuf dans ta cuisine? Mais là, c'est moi qui vais te touffer. Oh, il veut ma mort, celui-là. Espèce d'idiot! Tu veux que je sois obligée de me marier en double acte? Ou alors que je me transporte en un tyran terrifiant et que je fasse rôtir mon cuisinier 3 fois par jour en petit feu. Princesse, princesse, dites à son altesse que Dieu l'appelle. J'en ai cherché partout, partout. Ah! Je n'ai pas trouvé un seul. Il sent la saucisse. Son altesse, j'ai tout fait. J'ai même donné du bâche à un gars de chasse. J'ai tout fait. Oh! J'ai même... Oh! Qu'est-ce qui m'arrive à moi? D'abord, mon cuisinier refuse de se marier. Et puis, ma fille refuse de me porter du lapin. C'est l'inverse, mon royal père. Majesté, un visiteur venu, un visiteur voulait vous visiter. Oh, encore un casse-pied. C'est probablement un représentant de commerce qui vient me proposer d'acheter un aspirateur dernière génération. Généreux monarque, le marquis de Caraba, mon maître, a pris sur lui la liberté de vous faire porter un lapin. Un lapin? Un lapin! Oh, Seigneur! Un lapin! Un lapin! Un lapin! Un lapin! Un lapin! Oh, oh, oh! Que laisse-t-elle se réconcilier avec moi? Un lapin! Ce marquis de Carabas est un bienfaiteur de l'humanité, un bienfaiteur honnête et anonyme. Oh, 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 oh! Et que j'aimerais le rencontrer, le remercier et lui offrir un paquet de cacahuètes, de bonbons sifflés et de bonbons chocolat. J'aimerais jouer à ce bouton avec lui. Un lapin! Ah, 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 un lapin! Oh, j'aimerais danser la rumba avec un tel homme. Un lapin! Ah, ah, un lapin! 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 Oui, les bottes. J'ai attrapé un lapin. Un lapin? Je l'ai donné au roi. Mais comment ça au roi? Moi je crains de faim et tu donnes le lapin au roi? Je le lui ai donné de la part du marquis de Carabas. Carabanja. Carabas. Calaba. Carabas. Calacuta. T'as déjà vu toi un marquis de Calacuta? Pendant que je mets mes bottes, toi tu t'es déshabillé. Moi? Oh, c'est écrit dans le conte. Hein? Le chat dit à son maître, tu te baigneras dans la rivière exactement à l'endroit que je te montrerai. Ah, oh, je ne me déshabille pas, il y a trop de moustiques, hein? Ah! À la claire fontaine de mort.
en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sur les feuilles de chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, le rossignol chantait. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. 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 Jamais, jamais je ne t'oublierai. Jamais je ne t'oublierai. Jamais je ne t'oublierai. Ah! J'entends le carrosse du roi qui approche. Ah, reprends.
maquis de Carabas. Bienvenue, monsieur le maquis de Carabas. Vous vous êtes trompé, il est déjà passé. Oh! À qui appartiennent ces terres? Aux sorciers. À qui appartiennent ces terres? Aux sorciers. Oh. Aux sorciers? Non. Au maquis de Carabas. Ah, qu'il est riche ce maquis de Calebasse, hein? Bonjour, monsieur le chat. Chat. Soyez le bienvenu. Car j'ai très faim. Dites, monsieur le sorcier, il paraît que vous pouvez vous transformer en de gigantesques animaux. Bien sûr. En quoi voulez-vous? Un lion, par exemple. Un lion indomptable, bien sûr. Je voulais parler d'un animal un peu plus féroce, comme un tigre, voyez-vous. Ça, je peux le faire. Par contre, si vous pouvez vous transformer en un animal un peu plus minuscule, ça, moi, je ne peux pas. Hein. Comme je une souris. Te... Oh.
il est mort, il ne peut plus nous manger. Il est mort, il est mort, il ne peut plus nous manger. Il est mort, il est mort, il ne peut plus nous manger. Les chabotés a mangé, il a mangé, il ne peut plus vous manger. Et le sorcier est mort, il est mort, il ne peut plus. J'entends le carrosse du roi qui approche. Oh! Quel merveilleux château! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Oh! Félicitations, monsieur le marquis de Carabas! Mais de quoi? Hein? Oh, merci, merci! Je n'ai jamais vu un palais aussi beau! Moi non plus! Moi non plus, hein? Non, je me dis que tous les jours, je redécouvre ce château avec un nouveau air. J'aimerais bien visiter l'intérieur de ce château. Ah oui, bien sûr, avec l'autorisation et la permission et tout ce que ça comporte comme demande et tout du marquis de Carabas. Je ne vois pas pourquoi monsieur le marquis de Carabas ne vous le permettra pas. Je veux dire que faites comme je veux. Ah oui, bien sûr. Quel merveilleux château. De l'or, de l'argent, de l'ivoire, des émeraudes. Ouh là là. Mais il est riche, ce marquis de Carabas. Alors, monsieur le marquis, dans ce cas, je ne peux que vous donner la main de ma fille. Ça suffit pour les photos, mais ça. C'est bon pour les photos, c'est bon là. Ça va, je veux rester avec mon maquis. Ça va, c'est bon, c'est, je dis, ça va. Ça va pour les photos, j'en veux plus. Oh bébé, oh là là. Bonsoir, Altesse. Il paraît que vous mariez votre fille. Non, j'ai pas dit le fils, je dis votre fille. Et que la fête sera grandiose. Il y aura du dolet, du sourire, et puis tous les royaumes voisins seront à l'honneur. Alors, que pensez-vous de cette fête qui sera macro, un macro événement? Non, j'ai pas dit micro, j'ai dit macro. Bon, merci, monsieur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct du Palais Royal, où va se passer ce soir le mariage de notre princesse, la fille de notre roi, la plus belle fille de notre royaume, avec le richissime propriétaire terrien, ce monsieur-là qui a plus de 4000 hectares de terrain et plus de 50 000 têtes de bœufs. En ce moment, ce monsieur, le marquis de Carabas, va se présenter. À vous le studio. Le chat devint un grand seigneur et ne courait
souris que pour se divertir. Espérons que les souris ne la prennent pas. Elimi owa. Naimowa. Naimowa jowa. 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 Elimi owa. Naimowa. Miango, Benge, Miango, Benge, Miango, Benge. Oh, on est muni à paix, mon boy, non. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Un enfant. Deux enfants. Non, trois enfants. Non, quatre enfants. Oh, cinq enfants. Six enfants. Sept enfants. Huit enfants. Huit enfants. Huit enfants. On a dit sept enfants. Huit enfants. Sept enfants. Six